cow-boy, éclaireur pour l'armée, prospecteur d'or et de pétrole, grand joueur de poker, tenancier de bar et directeur de revue. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Bart Tender. Bonjour Henri Lennox. Bonjour Bart, mon ami. Je suis ravi de t'avoir parmi nous ici et j'ai l'impression, mon cher Bart, que tu as fait pas mal de kilomètres pour venir jusqu'ici. C'est vrai qu'on a fait pas mal de kilomètres pour arriver jusqu'ici. 5 jours, 5 nuits à manger de la poussière, à se tanner le postérieur sur des pistes désertiques et chaotiques pour arriver enfin jusqu'ici dans cette bonne vieille ville bien de chez nous de Nashville. Nantesville, Bart, Nantesville. Comme tu me l'as dit. Mon cher Bart, je crois que tu n'es pas seul. J'ai nommé Chihuahua Peur. Elle est accompagnée de Sam, Sam le pianiste. Ah, mon cher Bart, aujourd'hui nous allons raconter un autre pan de ta vie d'aventurier, n'est-ce pas? On peut dire ça, l'ami, avec l'arrivée du chemin de fer dans l'Ouest. Un vrai décor de western. Eh oui. Le chemin de fer, comme disent les Indiens, obéit aux caprices de la nature. D'ailleurs, ça me rappelle un poème que je m'en vais vous raconter sur le champ. Un poème? Accroché au flanc de la montagne, la locomotive est instante comme un coffre à trésor avec son grand fanal. Sa cloche argentée mêle ses sifflements et ses mugissements à ceux des torrents et des cascades. C'est beau, c'est bien écrit. C'est de qui? De moi. Ah, j'aurais cru que c'était Jules Verne. Vous pouvez applaudir notre poète Bart Tender, mesdames et messieurs. Alors, avec l'arrivée du chemin de fer dans l'Ouest, j'imagine que vous avez dû négocier avec pas mal de tribunaux, n'est-ce pas, Bart? C'est vrai qu'avec l'arrivée du chemin de fer dans l'Ouest, j'ai dû pas mal négocier avec de nombreuses tribus indiennes. Donc, vous avez rencontré des Indiens. Comme tu le dis, Harry. D'ailleurs, il y en a juste un qui se trouve derrière toi. Oh, tu n'as rien à craindre tant que t'es avec moi. Ah. Il se nomme Little Horse. Little Horse? Et c'est mon ami. Ah. Little Horse fait partie de la tribu des Ponies. Les Ponies vivent non loin d'un petit ruisseau dans la région du Mont Toban. Mesdames et messieurs, voici celui qui excelle dans la capture des mustangs sauvages, Little Horse.
prochain invité, ton invité d'ailleurs, mon cher Bart, il s'agit d'une femme qui est éprise de liberté, je crois savoir. Elle du jour fait partie d'une tribu indienne qui vit en totale harmonie avec les animaux et la nature. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les jeunes papas sont sevrés au lait de jument. Au lait de jument? Un peu comme nous avec le lard et les faillots de mamie au Daniel. Ah, le lard et les faillots. Mesdames et messieurs, œil du jour désigne dans la langue indienne cette petite fleur que l'on trouve communément dans les prairies de l'Ouest, c'est-à-dire la petite pâquerette. Mesdames et messieurs, voici celle qui danse avec les chevaux, œil du jour. Thank you.
Garde, ton prochain invité est, je crois, un homme qui excelle dans tous les domaines, que ce soit le maniement des armes à feu, la voltige équestre, le maniement du fouet, du lasso, au saloon. Le dernier a vidé tous les godets de tout le monde, et en plus, le lendemain, il fait la vaisselle. Il est aussi mon ami. Ah. Rufus Buck est un ancien cow-boy de rodéo. Et tu vois, Lennox, un jour, je lui ai dit qu'une seule chose. Rufus, tous les genoux comme toi rêvent de brûler les planches. Mais n'oublie pas que c'est Bibi qui a les allumettes. C'est Bibi qui a les allumettes. Quelle belle philosophie de l'Ouest, mesdames et messieurs. Tout de suite, je vous demande d'accueillir comme il se doit, monsieur Rufus Buck. Rufus Buck.
Quel talent! On peut pas dire que ça soit faux. Alors, je crois que pour le prochain tableau, il s'agit du grand retour de Little Ors. Est-ce vrai? Comme tu dis, old boy, Little Ors va revenir nous faire la démonstration d'une danse nuptiale. Une danse nuptiale? Un peu comme une parade d'amour, en quelque sorte? Comme tu dis, Piéton, on a longtemps cru qu'il s'appellerait vieux bison de la prairie. Eh bien, il s'est trouvé une bonne petite croix. Et celle-là, il n'est pas prêt de la lâcher. Mesdames et messieurs, pour vous, la parade d'amour de Little Ors et Petite Source.
Rendez-vous